10h, le temps de faire un bref point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. La deuxième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire s'ouvre aujourd'hui. Elle s'est ouverte hier avec près de 3000 participants venus de 113 pays. Ce grand rendez-vous économique vise à capter des investissements privés afin d'accompagner la relance économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représentait le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture de la rencontre officielle. Et puis déjà des retombées après le premier jour de ICI 2014. Une banque ivoirienne vient de signer une convention avec la Société financière internationale du groupe Banque mondiale. Il s'agit d'une ligne budgétaire de 20 millions de francs CFA accordée pour financer les PME et PMI. Francis Boifo. La convention de partenariat signée entre la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale et une banque exerçant en Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 20 milliards de francs CFA de garantie à cette banque partenaire. Cette somme permettra à la structure financière bénéficiaire d'augmenter son capital en vue de financer les PME et PMI en Côte d'Ivoire. Le taux du risque est relativement élevé au niveau des PME et des très petites entreprises. Donc la ICFI apporte une caution à hauteur de 50%, elle garantit à hauteur de 50% le prêt qui va être accordé par la CIB à son client. Voilà. Donc c'est la CIB qui finance le projet de la PME-PMI, moyennant une garantie à 50% apportée par la SFI. Compte tenu des conditions, des besoins sur le marché, et comme je disais, nous, en tant qu'AFC, partie du groupe institution du groupe de la Banque mondiale, nous voulons soutenir les petites et moyennes entreprises parce que c'est extrêmement important pour l'inclusion financière et pour le développement du pays. Avec cette convention de partenariat, cette banque exerçant en Côte d'Ivoire entend financer plus de 200 entreprises. Elle entend également leur donner des prêts allant de 0 à 500 millions de francs CFA remboursables sur une période minimum d'un an selon le type de crédit. Ce deuxième jour du Forum Investir en Côte d'Ivoire va être marqué par plusieurs points principaux, notamment des conférences, des sessions thématiques et des rencontres B2B. L'actualité sur le continent est marquée par l'ouverture aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il sera procédé au lancement de l'année 2014 comme année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. En Centrafrique, les appels à la paix de la nouvelle présidente Catherine Samba-Panza n'ont pas été entendus. De nouvelles violences éclatent au quotidien. Pillages, règlements de comptes et agressions sont le quotidien. Encadré par les militaires de la mission de l'Union africaine et des blindés français de l'opération Sangaris, 300 combattants de l'ex-Séléka ont été évacués des deux camps du centre-ville. Sur le bas-côté de la route, une foule en liesse accompagne le convoi, lançant des au revoir ironiques aux rebelles qui ont fait régner la terreur pendant une année. Nous avons très souffert ici, à cause des Séléka, à cause des Nyama-Nyamala. Anya Malamala, des bêtes sauvages dont le départ donne le signal du pillage. Direction la mosquée et les maisons des musulmans que l'on détruit en famille et dans la bonne humeur. Dans le camp de Roux, quartier général des ex-Séléka qui domine le fleuve Oubangui, les soldats burundais font l'état des lieux. Là aussi, tout est pillé, seul reste l'armement lourd pris aux rebelles. Nous avons laissé les armes légères pour leur sécurité rapprochée. Et dans la phase suivante, on va aussi procéder au désarmement et sécuriser les sites de cantonnement. Blessé à l'arme blanche par les rebelles, ce jeune homme a eu de la chance. Pour preuve, ses cadavres en décomposition abandonnés dans les herbes. Quelques prisonniers semblent perdus au milieu de ce chaos. C'est ce chaos, cette violence sectaire qui a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter mardi, à l'unanimité, une résolution qui place sous mandat onusien la future force européenne qui doit renforcer les troupes déjà présentes. Le but étant essentiel de cette mission européenne serait de contribuer en liaison avec la MISCA aux efforts régionaux et internationaux de protection des populations les plus menacées et de faciliter les mouvements des acteurs civils. À terme, l'ONU considère qu'il faudrait déployer 10 000 casques bleus pour sécuriser Bangui et tout le pays, une option réclamée par la nouvelle présidente de Centrafrique.
Rappelons pour terminer que la deuxième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce matin. Elle est marquée par plusieurs axes principaux, notamment des conférences, des sessions thématiques et des rencontres B2B. Et voilà, c'est la fin de ce bref point de l'actualité. Retrouvez Delphine Gla à 13h pour le journal sur RTI 1.